So, how does it feel to be back in the world of the living? Don't worry. I'm a doctor. Well, a coroner, originally. Call me Dead Man. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never actually died. I would advise against that. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yep, bridges. Humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, if you prefer. Right. Where am I? What time is it? Watch me. Try pressing it against your skin, like this. Relax. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Look, look. The cuffs will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. What the hell? 2 days? During that time, we took the liberty of collecting fluid samples from you. You're a repatriate. That makes you very special. What happened to the CD guys? Central Knot was obliterated in the annihilation. Game over, man. Place is a crater. The only ones to get it continue were you, for obvious reasons, and your broken bridge baby. Is it all right? It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Why keep it? We lost everyone. Not just corpse disposal. My team, HQ, all of Redefort, every soul in Central Knot City. We're at our base, in Capital Knot City now. Or should I say, our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated. And there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command remains intact. I hate to do this so soon, but I have a job for you. This stencil is from when you repatriated? What's the other mark from? A clingy woman in a cave. I see. Aphanphosmphobia. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. So, the job is an urgent delivery. I need you to bring the president some morphine. What president? America's gone. You talking about the mayor of Central Knot? No, not the mayor. America lives on, Sam. The president is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. Why me? Look, Sam. Do as I ask, and I promise it will all make sense. Why don't you do it? Because I'm not really here. Apologies. This is just a chirogram. And here, come the tears. Allergic reaction to the chiral transmission.
I'm actually over in the isolation ward in the big triangle building. Here is the morphine. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Come on. You got morphine there. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is that America's last president wants to see you in person. Are you really about to say no? Very good. I'll see you in the isolation ward. Et on est parti. Hop là. Donc on doit livrer la morphine. Donc on va avoir énormément encore de conversations pour nous expliquer comment marche le menu et tout ça en gros. Le hydroïde entre parenthèses. Donc ce sont des menottes avec genre la carte et tout ça, on peut la bouger, c'est plutôt cool. On voit le relief et plus tard on aura aussi des rajouts par rapport genre au temps, on pourra avoir les précipitations en fait, on pourra prédire les précipitations, ce qui va être intéressant en fait pour nous déplacer. Une chose intéressante, donc nous pour le moment on doit aller là, on doit aller lui parler. Aussi une chose intéressante c'est qu'on va pouvoir placer des marqueurs, différents marqueurs et pouvoir bah, suivre notre aventure grâce à des marqueurs. Encore une fois, MGS5, hein, encore le même système. Et après nous avons donc la marchandise, donc on peut voir en fait Sam directement, un peu comme Metal Gear Solid 5. Bon j'arrête de le dire parce que c'est quand même un peu flagrant, non. Donc on peut, on voit la marchandise qu'on transporte, on peut prendre à la main, on peut choisir de prendre à la main, droite, gauche. On peut le mettre tout simplement par terre. Et après plus tard en fait on va pouvoir avoir différentes attaches, genre aux jambes et aux épaules. Et même on pourra avoir des sortes de petits overboards et tout ça. Et on pourra mettre la marchandise dessus. Donc vraiment tout est au début c'est assez complexe, comme j'ai dit c'est assez complexe parce que c'est très complet du coup, mais après ça devient très très intuitif, donc voilà, pour le moment on va continuer. Je sais pas si on peut, non ils nous disent directement d'aller. Ah, conversation. Delivery order for Sam Porter Bridges. Request transport of morphine to isolation ward for immediate administration to the president. Reconnect the world. Alors ce qui est assez intéressant, on parlera après. Check the map on your cufflinks if you're lost, Sam. The isolation ward should be pretty obvious. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. Alors il y a plusieurs types de conversations, donc encore une fois ils vont nous expliquer comment ça fonctionne et tout ça. Il y a plusieurs types de conversations, il y a des conversations un peu comme le codec, où on voit directement la personne, ou alors après ils vont nous parler directement et on pourra, on va dire, jouer, faire le gameplay en même temps qu'ils nous parlent. Voilà, donc là ils nous expliquent qu'on peut mettre des marqueurs, des filtres aussi, différents filtres pour les différentes icônes sur la carte. Donc placer repère. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire directement placer des marqueurs comme ça, tout simplement. Puis après, on peut les effacer en maintenant. Et après, il y a une chose intéressante, c'est que vous pouvez tirer des traits, en fait, pour faire différentes routes. Donc ça, c'est assez intéressant à faire. Donc encore une fois, très très complet par rapport à ça, parce que, on va dire, le gameplay principal de Death Stranding, c'est l'exploration et la découverte de nouveaux objets, de nouveaux territoires et de nouvelles choses. Donc voilà.
Le monde est très beau. Honnêtement, le monde est très beau. Aussi, il y a beaucoup de choses dans la cinématique. Si vous avez loupé des choses dans la cinématique, je vous dirais d'aller la revoir, en fait. Il y a plein de petites choses, genre des ombres qu'on voit au loin. Plein de choses. Sam, if you want to confirm you're headed the right way, check your compass. It'll never steer you wrong. Provided you have a destination, that is. Voilà, donc quand il dit regardez le compas, c'est ça. C'est vous mettre à la première personne, en fait. Parce que vous allez directement voir les points de repère, en fait. Vos missions et tout ça. Et bien sûr, vos points de repère que vous aurez placés vous-même, par exemple. Voilà. Et aussi, on va effacer celui-là. Une chose aussi assez intéressante. Vous voyez que ça vous montre la distance, en fait. Et ça va vous montrer l'élévation aussi. Donc, vous avez, par exemple, en haut 4 mètres et en bas 13 mètres et tout ça. Donc, ça vous montre qu'en gros, c'est bas. Donc, vous allez aller vers le bas. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui vont vous aider à vous déplacer. Donc, vraiment très, très utile et très, très intéressant. Et complet, encore une fois. Donc, on va avancer. On va avancer. Death Stranding qui est sorti juste avant notre pandémie. Je pense que le jeu a bénéficié, entre parenthèses, c'est vraiment pas bénéficié, vraiment, mais bon, vous allez comprendre. Pour comprendre le jeu, je pense, parce que les personnages sont fracturés, ils ont des histoires assez tristes, tous, en fait, tous ont des histoires assez tristes. Centro wasn't just home to Bridges HQ. It was also the seat of the Reconstructionist movement. If the president hadn't required special treatment, she would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. Les personnages sont fracturés, le monde est fracturé, l'histoire parle d'un monde fracturé, de personnages et de reconnexions et tout ça. Donc c'est vrai que, à la limite, c'est peut-être compliqué, ou alors ça passe au-dessus de la tête des gens en premier quand vous y jouez. Mais c'est vrai qu'avec avec le problème de pandémie, dans un sens, le jeu a un peu plus de sens pour beaucoup de gens, j'imagine. Mais voilà, on verra ça. Qu'est-ce que je voulais dire avant qu'on avance, qu'on va encore avoir quelques cinématiques par rapport au gameplay. Oui, vous avez genre droite, gauche, avant, arrière, là, tout ça avec le pad. Donc en gros, vous avez différents, par exemple, cosmétiques que vous pouvez mettre. On va en débloquer plusieurs après. Vous avez, là, ça sera, bon, on peut uriner évidemment. On aura des armes et tout ça. Donc ça sera par exemple le côté droit. Après, le côté gauche, c'est tout ce qui est soins. Donc vous pouvez boire du Monster Energy parce que oui, sponsorisé par Monster Energy. Le jeu, pas moi, hélas. Donc ça, c'est pour remettre votre endurance. Plus tard, on va pouvoir avoir des choses pour se remettre du sang parce que en gros, votre vie, c'est le sang dans le jeu. Une fois que vous avez plus de sang, vous mourrez. Un peu comme dans la vraie vie, du coup. Et après, vous avez différents appareils qu'on pourra mettre, genre différentes bottes et tout ça. Je vous montrerai en temps et en heure. Donc c'est parti, on avance. Ah oui, aussi, juste avant qu'on avance, encore une fois, gameplay très similaire à Metal Gear Solid 5, vous pouvez changer de côté, parce que c'est un jeu à la troisième personne. Tous les jeux, je le répète encore une fois, tous les jeux à la troisième personne de tir, parce que Death Stranding est aussi un jeu de tir, il va avoir énormément d'action à des moments, et même on pourra nous-mêmes attaquer genre des bases militaires avec des ennemis, il va falloir tirer. Donc tous les jeux à la troisième personne où il y a du tir avec des armes et tout ça, il faut qu'il y ait ça. Le changement d'épaule, c'est indispensable, et ce jeu-là, donc c'est vraiment vraiment pratique. Et j'adore en fait le système aussi de Metal Gear Solid 5 / Death Stranding, le fait de pouvoir zoomer comme ça, de voir les choses, de pouvoir voir les détails, en fait, c'est plutôt bien. Et après, on a ça, bien sûr. Donc voilà, vraiment, le gameplay est top. Gameplay est top. On avance.
vital signs are all trending the same way. No chance of a recovery then? None that I can see. No. We should start making preparations. Sam! It's me, Dead Man. Sorry, my mistake. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain. And allow her to speak with you in these final moments. Her? The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you? You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside. Donc nous avons notre livraison. Encore une fois, comme j'ai dit, cinématique égale gameplay. Gameplay, cinématique, cinématique, gameplay. Donc on vient de livrer, on vient de faire une livraison. Donc on a le menu de livraison, évidemment, normal. Donc c'est la distance qu'on a parcourue et tout ça. Donc, on va passer. On a eu un S, très bien. On a eu des likes, très bien. Aimez cette vidéo. On va monter un peu de niveau. C'est parti. That's the president's right-hand man, the director of bridges. Die Hard Man? Oh, you were with Bridges One? So, I guess no introductions are necessary. What's it been, Sam? 10 years? Look at us. A bunch of deathless freaks meeting like this. Yeah, well, good to see you two. President's waiting. It's your mother, Bridget. She's a bit out of it, but I know she'll recognize you. Madam President, we've brought Sam. We'll leave you two alone. You remember Amelie went west. Took her 3 years to cross. She's trying to rebuild the country. Still going on about that, huh? You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive.
We don't need a country. Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of jack shit. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Madam President! Oh, no. Doctor, we need your help. Listen, no one can know that the president is dead. If word gets out, Bridges is finished. Now, what happened here does not leave this room, do you understand? Yes, Director, but there's still the matter of the body. Without corpse disposal. We've got that covered. Sam, before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me? Like she tried to? Well, she succeeded. Look at your wrist. If that's not symbolic, I don't know what is. Director, the cancer spread throughout her entire body. Harvesting organs is out of the question. And there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. What do you want me to do? We don't have any porters right now. And the CD team you went into the field with are dead. But the president's body has to be burned. The road from Capital Knot City to the incinerator was compromised in the void out. Now, the only way there is on foot, through the mountains. But the chiral density there is off the chart. It's gotta be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me? Why? Sam, you're already on the clock. Now get it done, Sam Porter Bridges.
Can I have a moment? President Strand believed in American Reconstructionism. She worked tirelessly to bring the nation together again. And without her, there would be no bridges. She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. If she dies, America dies. Without her, bridges will cease to be. Listen. Her cremation must be carried out with the utmost secrecy. Even if we pull it off, what then? Who's gonna take her place? Face it, America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. What matters is that we're going to finish your mother's work and rebuild America as she intended. That's the reason Bridges exists. So take the first step, Sam, and deliver the president's body to the incinerator. If we don't all come together again, humanity will not survive. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. We'll be monitoring you around the clock. If anything comes up, we'll offer you support by the cufflinks. On est reparti. Sam, this is Die Hard. Dead men explained how to use the cuffs, right? Use them to check the location of the incinerator. Donc, on va regarder un peu ce qu'on transporte. C'est parti. Que dire sur cette dernière cinématique, la longue cinématique avec Bridget? Il y a beaucoup de symboles, il y a énormément de symboles dans ce jeu, que ce soit les noms des personnages, les termes qu'ils emploient aussi. Souvent, je vais utiliser les termes anglais parce que c'est ma préférence, mais aussi ils ont un peu plus de sens en anglais, car le jeu a été, on va dire, développé en anglais, même si c'est Hideo Kojima qui l'a fait, vu que ce sont des personnages qui parlent anglais et tout ça. Donc tous l'emploi en fait de noms et de mots et de termes sont très précis, en fait, vous allez le découvrir au fil du temps, au fil du jeu. Donc on va regarder ce qu'on transporte, parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Donc dépouille de la présidente Bridget Strand, surnommée la dernière présidente des États-Unis, Bridget Strand, à travers sans relâche à la reconstruction de l'Amérique, créant finalement Bridges pour mettre en œuvre ses projets. Elle était également la mère adoptive de Sam, donc déjà on apprend pas mal de choses rien qu'en lisant des choses comme ça. Donc c'est important, donc on peut déposer le corps évidemment, on va pas le faire. On voit aussi qu'on a un sac en plus, mais on sait pas ce qu'il transporte, et je crois qu'on peut pas le voir pour le moment. Je crois qu'on peut pas le voir. On voit qu'on l'a toujours en fait sur nous, donc on peut vraiment pas le déposer, mais on peut pas le checker non plus, donc ça c'est aussi intéressant. Mais on va donc faire notre mission. Ah oui, sur le côté droit, parce qu'il y a la map au milieu, après il y a le système données, etc. sur la gauche, et après le côté droit en fait, c'est les différentes missions qu'on a acceptées. Donc bien sûr il y a certains risques, donc genre le terrain, genre risque de chute, genre on va passer des rivières, etc. Donc ça aussi c'est important de savoir. Et on voit aussi l'endroit où on doit aller. Donc on doit aller ici,
Ah oui, c'est là le zoom. Voilà, donc ça pour l'instant c'est notre zone. Ça, le cratère, c'est le cratère qu'on a créé en fait au tout début avec quand la cinématique on voulait aller à l'incinérateur. Ça s'est mal passé, mais voilà. Donc on va aller à l'incinérateur à l'ouest de la capitale Relais et on va devoir choisir un chemin. Donc une fois qu'on sera sorti, on pourrait mettre des marqueurs et tout ça. Je vais pas vraiment le faire, on va y aller un peu comme je le sens. Tout simplement pour se balader et montrer un peu plus de gameplay. Je pense qu'on va peut-être passer par là, c'est le plus simple, donc ce sera sûrement là. Mais voilà, on verra. On va avancer. Donc aussi, à comprendre que c'est un poids lourd, il y a... Ah, attendez. Sam, I don't think I need to remind you, but every minute counts when transporting corpses for disposal. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and become a fresh PT to make our lives hell. Alors, on a un poids lourd, donc c'est assez dangereux en fait, de genre par exemple, Sam va pencher quand il va tourner et il risque de tomber, donc il faut compenser en fait, si vous tombez sur la droite, il faut compenser à maintenir sur la gauche pour faire contrepoids, etc. Après, si vous voulez faire de la ligne droite, ça passe, vous pouvez même sprinter si vous tournez doucement. Si vous voulez faire de la ligne droite, vous pouvez sprinter, il n'y a pas trop de problèmes. Mais je conseille bien sûr de pas essayer de tourner. Et après, une chose assez intéressante, c'est que si vous maintenez L2 et R2, vous maintenez les bretelles. Donc là, du coup, vous êtes beaucoup plus maniable. Vous risquez pas de tomber. En tout cas, moins de chances de tomber. Donc voilà. Par contre, vous pouvez pas vraiment sprinter, en fait. President Bridget Strand was the symbol of American Reconstructionism. Even with the country shattered and its people scattered to the four winds, she never stopped believing they could be reunited. People held on to their hope that America would rise again because they believed in her. We believe that this country can be rebuilt. America lives on, together with Bridget's undying spirit. Aussi, pour ajouter un peu plus de lore, donc quand les gens meurent dans ce monde, dans Death Stranding, au bout de à peu près 48 heures, ils deviennent nécroses, en fait, avec le sorte de boue noire et tout ça. Et une fois que ça se produit, vous avez des BT, donc des échoués en français. Et là, ça commence à être un problème. Et si jamais les échoués, en fait, récupèrent le cadavre, il y a une explosion qui va former un cratère, si je ne dis pas de bêtises. L'histoire, ça fait un petit moment, donc il va falloir un peu de temps pour que ça revienne. Nous avons aussi des tours, comme ça. Donc, utilisez la tour de guet. Hop là, donc on peut plus haut, plus bas, voilà, on va plus haut. Donc la tour est pas mal parce que ça vous permet en fait de directement noter sur la carte les endroits assez intéressants. Donc par exemple là il y a des cryptobiotes et après là il y a des cristaux chiro. Ça permet aussi de placer des repères si vous voulez. Mais voilà, vous pouvez voir le terrain avant de vous avancer, donc ça c'est plutôt cool. Alors il y a des véhicules et tout ça, mais pour le moment on peut pas les prendre évidemment. Sinon ça sera un peu trop simple, hein. Faut pas exagérer non plus. Sam aussi est vraiment cool. Genre le corps de Sam va bien réagir quand vous regardez à droite. Il va de temps en temps tourner la tête et tout ça. Vous voyez qu'il va regarder un peu où vous regardez vous. Donc ça c'est aussi c'est des choses que j'apprécie personnellement. Donc on va avancer. Donc si vous voulez être, si vous êtes curieux par rapport au point, c'est là-bas, c'est la distance. On est à 880 mètres et vous voyez qu'il y a une montagne à franchir, etc. Donc on va essayer d'aller vers ce côté là-bas, genre à 500 mètres. On va mettre un marqueur. On va avancer. Alors le début est un peu lent. Honnêtement, c'est pas pour tout le monde. Ce jeu n'est vraiment pas pour tout le monde. Une fois que vous avez passé ce côté-là, un peu lent au début, il en vaut vraiment la peine. Il en vaut vraiment, vraiment la peine. Donc on a encore un moment un peu cinématographique. La caméra qui se recule. On entend moins les bruitages du jeu et on a la musique qui joue. Mmh.
Donc on peut voir un peu la... l'étendue du jeu, en fait. Le terrain est extrêmement grand. On peut voir extrêmement loin. Ça, c'est vraiment le très très bon côté du jeu. Aussi, par rapport au fait qu'il y ait deux jauges d'endurance, en gros, il y a le bleu foncé et le bleu clair. Le bleu clair, en fait, c'est la jauge d'endurance qui est active. C'est-à-dire que si elle tombe à zéro, par exemple, vous allez tomber dans l'eau. Et la jauge bleu foncé, en fait, c'est la jauge maximum d'endurance. Donc plus le temps passe, plus Sam fait des exercices et tout ça, plus elle va baisser et vous aurez de moins en moins en fait, d'endurance maximum. Donc c'est important à savoir aussi. Mais vraiment, l'univers est très 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 beau. L'univers de Death Stranding est très très beau. Le terrain est très très beau. Il y a pas mal de différents types de terrains aussi que vous allez découvrir. Donc ça en vaut vraiment la peine. Genre le fait de pouvoir voir aussi loin et tout ça, c'est vraiment cool. Vraiment vraiment cool. Donc comme j'ai dit, on va passer par là-bas. Ce sera le plus simple en fait. Ce sera le plus simple. Que dire d'autre? Que dire d'autre par rapport au gameplay? Donc oui, par rapport un peu à l'histoire, vu qu'on est un peu en roue libre là. Donc vous avez ces bêtés, ces échoués, ces sortes de monstres en fait invisibles qui se repèrent à votre respirer et tout ça, ça les attire. Donc vous pouvez aussi, si vous maintenez R1, vous allez vous empêcher de respirer. Et du coup vous allez devenir invisible en fait pour ces bêtés, donc pour ces échoués. Je vais dire bêtés souvent, hein, donc faut s'habituer. Donc c'est important à savoir. Il y a ça. Le fait que pour le moment on peut pas les tuer, on peut pas les détruire, on n'a pas encore le moyen. Bien sûr, après évidemment on va trouver le moyen, vous inquiétez pas. Et c'est par rapport à l'histoire, c'est par rapport au gameplay et tout ça. Mais pour le moment on peut pas, donc on va les éviter. C'est très important, il faut tout simplement les éviter. Donc Sam est contaminé, on va dire contaminé. Il est atteint plutôt, il est atteint du Dooms, D-O-O-M-S. Certaines personnes comme Fragile qu'on a vu au début. Comme Fragile est atteint de différents stades en fait de Dooms. Par exemple, Fragile est beaucoup plus élevé parce qu'elle peut se téléporter en fait. Et elle peut voir normalement les BT aussi, je crois. Et voilà, bon, le fait qu'elle puisse se téléporter, c'est vraiment vraiment cool. Et aussi, comme dans MGS5, si on passe le repère qu'on a mis, il s'efface automatiquement. Vraiment top, j'adore ce système. J'adore vraiment ce système. Donc il y a ça. Et Dome, il a le stade 2, comme Fragile nous a expliqué. Et vous avez vu que, par exemple, quand on marche, les cailloux bougent et tout ça. Vraiment bien. Donc, Sam ne peut pas les voir, les BT. Il ne peut pas voir les monstres directement à l'œil nu, mais il peut les sentir. Donc ça aussi, on va l'apprendre un peu plus tard, comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est du gameplay, c'est de l'histoire en même temps. C'est ça que j'aime bien. C'est ça qui est assez intéressant. Si vous maintenez la touche croix, Sam va grimper automatiquement. Donc ça aussi important. Et bien sûr, maintenez R2 et L2 aussi pour que Sam garde toujours un bon équilibre et se fatigue pas vraiment pendant qu'il marche. Très très beaux effets avec la lumière et tout ça. De temps en temps, il va avoir des éboulements aussi sur les montagnes. Vraiment vraiment classe. Alors, est-ce qu'on peut les... Ok, maintenant on peut les accumuler en fait dans notre inventaire, parce qu'avant on les mangeait directement. Donc c'est limité à 999, donc je conseille, mais alors, de tout le temps en prendre. Surtout si vous jouez comme moi en très difficile, ça va vraiment vous être utile. C'est un peu sur le côté droit, ouais, c'est bon, on va pouvoir passer. Ça me plaît. Honnêtement, ce jeu, c'est vraiment quand même Metal Gear Solid 5. C'est le gameplay. C'est le gameplay qui me botte.
Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec Death Stranding, mais le gameplay est vraiment bien une fois que vous êtes dedans. Et après, comme j'ai toujours dit depuis la sortie du jeu, si jamais vous avez un problème, que vous trouvez le jeu trop lent et que genre faire des livraisons et tout ça, ça vous gonfle, concentrez-vous sur l'histoire principale. Même seulement pour l'histoire principale, vous allez déjà passer au moins facile, un gros 50 heures rien que de l'histoire principale. Et c'est pas que des cinématiques, c'est pas parce que 50 heures, genre il y a 30 heures de cinématiques, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a de l'aventure, de la découverte, du combat. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc concentrez-vous sur l'histoire si vous avez du problème à accrocher en fait au gameplay. Ou alors à accrocher un peu à la lenteur entre parenthèses du jeu. Je vous conseille vraiment de vous concentrer sur l'histoire principale. Nous on va faire un peu des deux pendant ces vidéos. Honnêtement, j'ai pas trop envie de rusher. Et surtout qu'on a des choses à récupérer, il y a des choses de Valve, exprès pour Steam. Vous avez aussi des choses par rapport donc à Cyberpunk 2077. Donc voilà, il y a plein de choses supplémentaires qu'on va pouvoir voir. Ah tiens, en parlant de ça. Données, nous avons les données donc des astuces du jeu, tout simplement. À chaque fois, ça va vous faire un récapitulatif de comment le jeu fonctionne. Donc, si jamais vous êtes perdu, vous savez pas trop comment faire quoi, ou comment ça se produit. Audratech, voilà, Audradech, ça c'est le nom du scanner. Donc voilà, tout est là. Les entretiens, pour le moment, on peut pas. Après, vous avez le journal, évidemment, de ce que vous avez fait. Genre, on a récupéré les cryptobiotes 3. Après, il y a eu le repère qui a été retiré, tout ça. Donc, ça aussi, c'est bien aussi pour... si jamais vous êtes un peu perdu sur ce que vous venez de faire. Et plus tard, on va avoir accès à des emails. On va pouvoir récupérer des emails. Et il va falloir lire certains emails. Il y a certains emails qui sont spéciaux, qui sont en couleur jaune. Pour les rajouts, en fait, de la version Steam, donc Valve. Et pour Cyberpunk 2077. Donc, on va... à tout prix faire ça. Et Sam aussi va réagir quand il va arriver à certains endroits. Et ce jeu en fait est pas vraiment genre jeu d'horreur et tout ça, mais c'est un peu comme The Long Dark, j'ai envie de dire. C'est que le cœur du jeu est tellement solide que le jeu peut être n'importe quoi. Enfin, peut faire ce qu'il veut et il le fera très bien. Donc Death Stranding peut être vraiment un très très gros jeu d'horreur. Mais il n'est pas, des fois, à des moments oui. À des moments on va dire que c'est à la ligne d'un vrai jeu d'horreur. Et c'est ça qui est vraiment vraiment assez intéressant. On y arrive presque. On va aussi avoir beaucoup de mouvements ici. Très bonne cinématique qui va arriver. Et on est obligé de brûler donc les cadavres à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un mort, on est obligé d'aller au crématorium. Pour éviter d'avoir des cratères en fait partout. Et que tout le monde meure. Sam, encore une fois, est vraiment le privilégié parce qu'il est atteint du Dooms. Et il est un rapatrié. Plus tard dans l'histoire, bien sûr, on va apprendre pourquoi il est un peu spécial. Incinéré. Donc, top secret, incinération du corps de la présidente. Sam,
Burn the other cargo while you're there. What's this? BB-28. It's the unit Igor was assigned. It was hooked up to you when we found you in the crater. But why is it here? Because it's flagged for disposal. Central Knot's gone, and our headquarters along with it. Because that thing didn't do its job. It's all in Igor's logs. But it's still alive. It can't be repaired. And it can't survive outside the pod. Pity it if you want, but the decision has been made. It has to go. The director approved the order. Position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Defective.